Hey, salut tout le monde, c'est Spectrol, comment ça va? On se retrouve bien pour peut-être un let's play ou peut-être juste une vidéo redécouverte et bien de Mario et Luigi Superstar Saga, les sbires de Bowser, donc plus les sbires de Bowser qui sort aujourd'hui même les amis et bien chez vous en France, soit le 6 octobre 2017. Je devais faire une vidéo bien sûr en avance, c'est juste que ma santé n'était pas vraiment là en soi. Et oh, il y a toujours deux parties. Alors je sais plus si dans Superstar Saga on pouvait mettre trois parties, je me rappelle plus trop, mais c'est un jeu et eh bien qui a duré pendant une grosse part de mon enfance, ce jeu qui est donc Mario & Luigi Superstar Saga, qui était sorti et eh bien sur Game Boy Advance en 2003, fin novembre 2003 les amis. Et franchement, ce jeu m'a fait péter des câbles sur un certain boss, peut-être que vous le savez, je ne sais pas, c'était un sbire en mode sapin de Noël et tout, et j'ai réussi à le battre au bout de une heure de jeu dans le jeu sur Game Boy Advance à l'époque, et franchement c'était pas évident. Et donc aujourd'hui et eh bien je vous propose une vidéo ou peut-être un let's play, ça dépendra et eh bien de vos pouces bleus, je compte sur vous pour maximiser le taux de like si vous appréciez cette vidéo et si vous apprécierez peut-être cette série s'il y en a une. Veuillez accueillir l'ambassadeur du royaume de Végésia. Ah là là, grosse enfance quand même hein, ce jeu, j'avais à peine 10 ans hein. 10 ans quand j'ai joué à ce jeu hein. 10 ans. Oh là là, mais déjà, bon, il y a beaucoup de poussière. Il y a beaucoup de poussière sur la cartouche. Pour le rapprochement du royaume, champignon avec celui de Végésia. Veuillez accepter ces cadeaux. Et en plus, c'est un remasterisé, c'est un remake, quoi, mais c'est super stylé. Et là, ah, j'adore les musiques. Je me rappelle plus comment elle s'appelle ou il s'appelle. Je sais même pas si c'est un mec ou une meuf, je sais plus. Et là, je vole. Qu'est-ce qu'ils volent à ton avis? On ne sait pas. Et là, allez, carrément. Oh là là. Peut-être ça en miniature, ça peut être cool, tu vois. Oh là là, c'est stylé. D'ailleurs, je vous montrerai un truc. Oh, le vaisseau. Comment il s'appelle déjà? Je ne sais même plus. Végésia. Bah non, c'est le... Ah, je sais plus. Je sais plus du tout. Je vais vous montrer les amis, ma première console portable, c'était celle-là les amis. Ah là, une Game Boy Advance SP les amis. Au secours! Je vous expliquerai après par la suite, hein, toute mon enfance. Êtes-vous au courant de ce qui vient de se passer? J'adore l'humour des Mario Luigi. Mario! Tac, tac, tac. Ok, donc là on se déplace directement. Mario, il est pas dans la salle de bain, je pense pas. Ah, si, si, il était dans la salle de... Attends. Si, il est dans la salle de bain. La 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 la. J'entends quelqu'un chanter. Hé hey. Ah, il l'a vu tout nu. Ah là là. Ah bah non, ça va, il était pas tout nu. Wow. Peach, la princesse Peach. T'inquiète pas, on va le sauver. Bam! Comment il traîne! Luigi, à chaque fois, il se fait malmener en vrai. Hein. C'est chaud, hein. Ah, carrément, il a enchaîné le truc. Tu vas faire quoi, Bowser? Quel lâche qui a osé me frapper par derrière! Allez, c'est parti! Le premier combat, alors il faut que je prenne un stylet, je crois. Bouah! Mario, il est temps d'en découdre, remets Bowser à sa place, comme tu sais si bien le faire. Très bien. Le guide de combat, donc c'est bien avec l'écran tactile, c'est bien ce que je me disais. Ok, donc on va partir sur un saut. Oh non, non, par contre, s'il vous plaît, le tutoriel, je n'ai pas vraiment envie. Hein. Oui, je sais appuyer sur A, merci. Et hop là. Parfait. Ouais, je vais éviter un petit peu tout ce qui est tutoriel, on s'en fout un petit peu. Parade d'urgence. Ah mince, j'appuie sur le bouton, ça va marcher. Tu peux éviter les attaques de Bowser d'un saut bien placé, appuie sur A quand la boule du feu s'approche. D'accord. Hop là! Parfait. Et des fois, vous pouvez renvoyer des projectiles, ça dépend après des monstres. Allez, vas-y. Bam! Bam! Donc, faut toujours appuyer au moment où tu vas faire l'impact contre l'adversaire. On va refaire un petit dernier. Hop! Et hop là! Parfait. Excellent. Un total de 4, il est déjà mort. Ah ouais, il est déjà mort dans le tuto.
Ouais, il était assez rapide, il me semblait qu'il était un petit peu plus long. Ou alors c'est peut-être une autre fois. Ah, je sais plus. Une minute, ce n'est pas le moment de se quereller. Écoutez-moi, la situation est grave. Tout à l'heure, l'ambassadeur du royaume de Végésia est venu ici. Et il a voulu volé la voix de la princesse Peach. La voix de la princesse est devenue explosive. Si quelqu'un kidnappe la princesse, sa voix pourrait être utilisée pour détruire mon château. Mario, il faut que tu fasses quelque chose. C'est bien la première fois qu'on va faire une alliance avec Bowser. Mario, retrouve la jolie voix de la princesse Peach, je t'en supplie. Le voleur vient du royaume de Végésia. Si tu y vas, tu trouveras sûrement quelques indices. Si c'est ainsi, il suffit d'arrêter le voleur et de retrouver la voix de la princesse. Mario, prenons le Tortue Jet pour aller au royaume de Végésia. Prépare-toi à partir. Oh là là, stylé, stylé. Franchement, et le remake en vrai, déjà les images, tout ça, les illustrations, les artworks, c'est vraiment, vraiment super quoi. Une nouvelle aventure t'attend. Mais après de si longues vacances, tu as sans doute besoin d'exercice. Alors on va faire une petite remise en forme dans ce parc. Pas de soucis. Tu devrais parler à tout le monde pour apprendre des choses, d'accord. Juste avant de continuer un petit peu, je tenais à remercier Vic la Terreur de m'avoir fait le layout. Merci à toi Vic la Terreur, je mettrai le lien de sa chaîne en description. Et je tenais à remercier encore énormément, comme d'habitude, la boîte com et Nintendo de m'avoir offert le jeu, eh bien, en avance. Même si bah là c'est la sortie du jeu aujourd'hui même. Mais je devais le sortir à la vidéo le 4 octobre. Mais ma santé n'allait vraiment pas et je me suis dit, moi je me force pas à faire une vidéo. Et si je vais pas bien, je vais pas bien. Donc bah j'ai pas fait la vidéo tout simplement. Donc normalement vous aurez donc une vidéo sur le Nuzlocke Yo-Kai Watch Spectre Psychique. Et c'est là où les ennuis vont commencer les amis. Donc je compte sur vous pour aller la voir, aller la visionner et puis laisser un petit like. Alors il me semble qu'il y avait une personne qui me donnait une espèce de champignon. Je veux dire oui. Alors petite anecdote aussi. Il faut savoir, voilà les champignons. Et puis on va récupérer quelques petites pièces pour commencer. Voilà, je récupère un petit champignon et... Ah bah c'est bon, je récupère un deuxième champignon, c'est un truc pour restaurer les HP en fait. Alors petite anecdote, c'est que j'ai déjà joué un petit peu eh bien, à ce jeu parce qu'il était... j'étais invité par Nintendo, donc avec la boîte com, de m'inviter eh bien dans un événement Nintendo en fait sur Paris, tu vois. Et c'était le 23 juin 2017, donc là c'est un truc pour sauvegarder. On va sauvegarder pour la première fois, ça fait déjà 7 minutes qu'on joue. Enfin, ça fait pas vraiment 7 minutes, mais en soi c'est quand même 7 minutes de jeu qu'on est en train de visionner. Et le truc c'est que le 23 juin j'avais pu tester ce jeu en avant-première grâce à Nintendo et la boîte com. Et ce jeu était cool, mais alors je comprenais pas. Alors je parlais avec le staff du Nintendo et tout, tu vois. Et en fait je jouais au jeu, tu vois, pendant à peu près une durée de 30 minutes, ce qui était quand même ouf. Et je pensais que c'était une démo le jeu. Je me suis dit, ouais mais dis-moi, la démo elle est vachement longue et tout. Et puis il rigole et puis il me dit mais en fait non, bah, c'est le jeu complet. Et en fait j'avais déjà avancé énormément, mais je m'en rappelais plus du début parce que bah, parce que je m'en rappelle plus, ça fait longtemps, tu vois, ça fait depuis 10 ans que j'ai pas joué au jeu, tu vois. Parce que là j'ai 23 ans, donc ça fait 13 ans que je n'ai pas rejoué au jeu, tu vois, bon, pour te dire que c'est quand même assez long. Et le fait de le redécouvrir en remake, eh bien je sais pas, est-ce que il va être si bien que bah, que le jeu déjà traditionnel, où ils ont, de toute façon ils ont rajouté le truc avec les sbires de Bowser. C'est en fait un nouveau jeu implémenté qui n'était pas dans Super Star Saga, tu vois. Et ça m'a fait trop rire quand il m'a dit, bah c'est le jeu complet, tu vois. Moi j'étais prêt à finir le jeu. Tu es en retard, qu'est-ce que tu faisais, on va bientôt décoller. Dépêche-toi, monte. Ah, génial, n'est-ce pas, voilà mon dernier engin, la Tortue Jet. Maintenant, c'est le tour de mes sous-fifres. Armée de Bowser, rassemblement. Alors, en attendant, je vais mettre la cartouche de jeu de Game Advance. J'espère que ma console marche toujours, mais il me semble que oui. Pour voir s'il y avait toujours... Ah, d'accord, déjà, ça s'allume pas. Ah oui, il y avait le... Attends. Ah là là. Mais en fait, il y a un problème, c'est que... Je vous montre vite fait... Il n'y a pas l'écriture marquée Nintendo. Et en fait, ça fait longtemps que... Je sais plus si ça fonctionne encore. Je vais quand même retester, en vrai. J'espère que ça a marché. Ah, voilà. Et là, on voit Nintendo, regardez.
Nintendo. Alors, on va voir s'il y avait deux parties ou trois parties. Juste pour raconter voilà une petite anecdote et pour savoir. Oh mon dieu! Ah, ça fait trop bizarre. C'est vrai que c'était rétro-éclairé et tout, tu vois, sur Game Boy Advance SP, mais c'était quand même stylé à l'époque. Hein. Appuyez sur Start. Mario et Luigi. Ah oui, il y avait Mario Bros aussi. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a l'espèce de mini-jeu Mario Bros où il faut parcourir des niveaux et tout ça. Et il y avait trois parties. Oh, intéressant. Et j'étais quand même... Ah, j'étais niveau 17 en vrai. Hein. Regarde, ça c'était ma première partie, tu vois, niveau 17. Après, j'avais celle-là qui était niveau... Wow, 34. Alors, je sais pas si j'avais terminé le jeu, mais il me semble pas parce que j'étais bloqué. Mais j'avais farmé énormément et puis j'avais fait une partie niveau 27. Alors, est-ce qu'il y a les compteurs 27 heures de jeu, tu rends compte? Plus 8 heures, plus 11 heures, enfin bref, j'ai joué énormément et puis j'ai recommencé une multitude de fois parce que j'étais bloqué et je pensais que j'avais pas tout lu, donc je parlais à tous les PNJ, enfin, ouais, c'était un bordel sans nom. Ah, où est-ce qu'ils sont? Alors, je suis désolé hein, pour la petite anecdote qui a pris un peu de temps, mais voilà, moi ça me fait plaisir, tu vois. Tu ne voudrais pas rejoindre l'armée de Bowser par hasard? Bah si. Oh, alors n'hésite pas. Tu n'as pas l'air très doué, mais exceptionnellement, je t'accepte. C'est très gentil. Alors c'est un jeu plateforme, aventure, RPG, jeu de rôle aussi. Ah, magnifique, il y a beaucoup de mini-jeux aussi. Pas de fausse modestie, tu n'as pas l'air très doué, mais exceptionnellement, je t'accepte. Bah alors, je viens ou pas? C'est moi là, je peux me déplacer ou pas? Ah, oh, il a peur. Et reste là. Hé, hey, votre ignomie. Votre armée vient d'arriver. Et le bureau de rassemblement est ici, sans bruit le crétin. Ah là, ces musiques là, avec les Koopas, avec les... Comment ils s'appellent ça? Les Goombas, attendez-moi. À moi les sbires, formez les rangs. En avant. Tout le monde est là, nous pouvons embarquer dans le Tortue Jet. Allez, vas-y, on va y aller. Oh là là, mais en plus, franchement, c'est super beau quand même. Pour de la 3DS en fin de vie, hein, je rappelle, hein. Et avec une nouvelle recrue maintenant en route. Votre ignomie, remarquement, est terminée. Nous allons juste un déserteur. Quoi? On part tout de suite, attrapez-le. Mais c'est mon frère. Oh là là, mais cette musique. Les musiques, franchement, de Mario et Luigi sont vraiment super cool. Alors après, j'ai joué un petit peu à Mario et Luigi, voyons, sont de Bowser sur DS. Mais je l'ai jamais terminé parce que j'étais bloqué. En fait, j'étais souvent bloqué à des jeux Mario. C'est comme Zelda, en fait. J'espère un jour on pourra le terminer si on fait un let's play. Ça serait super parce que moi, ça me ferait vraiment bah, beaucoup de bien de me replonger dans cette aventure-là, tu vois. Au-dessus du royaume champignon. Oh là, mais le design. Et Mario, il y a le moustachu en verre à bord de l'appareil. C'est qui parle? Mario, le moustachu en VR, nous serons très bientôt avec Jésia. Venez sur la passerelle quand vous aurez ouvert votre valise avec... Puis start, rangez vos effets personnels. Ensuite, présentez-vous donc au rapport EFISA. Alors, je pense qu'on va pas sauvegarder, ça sert un petit peu à rien, vu qu'on avait déjà sauvegardé une première fois. Mais c'est marrant, tu vois, ils ont pas rajouté les trois parties. On en a que deux, mais c'est quand même bien, tu vois. Tu peux en prêter à un ami ou à tes frères et sœurs et tout, tu vois. Je vais pas leur parler parce qu'il me semble pas qu'ils sont intéressants. Par contre, ça, c'est intéressant au niveau du mini-jeu. Voilà. Et en fait, la particularité, c'est qu'en fait, appuyer sur le bouton A, donc ça, c'est Mario. Et le bouton B, eh bien, c'est Luigi. Et vous pouvez faire aussi les deux simultanément. Et après, vous verrez qu'on aura plein de choses, plein de power-up et tout ça. Est-ce qu'il me donne... ok, donc là c'est juste un exemple pour te dire, voilà, faut faire comme ça assez rapidement. Je crois que le mini-jeu pourrait être un petit peu plus long, ou alors c'est un petit peu plus tard, je ne sais plus. On va lui parler, qu'est-ce qu'il veut? Je suis en train de prendre une photo, alors ne nous dérangez pas, compris. Moi j'aimerais bien que tu me prennes en photo. Ah, c'est peut-être plus tard. Hé, les deux là-bas! Oui? Oh là-bas, les deux moustachus! Nous allons bientôt entrer dans le royaume de Jésia. Allez, avez-vous vos passeports? Non, j'ai pas du tout. Ah, on en a pas. Il me semble que vous avez des bagages. Ouvrez votre valise en appuyant sur Start ou en touchant le menu. Très bien. On va appuyer sur le menu Start. Alors, oh là là, putain, il est beau l'écran. Alors là, on a la jauge de PV. PF, donc c'est les points magiques pour faire les combos et tout ça. Ce sont vos passeports, ouais. Ok, bah moi je vais te montrer mon passeport. Enfin, il est où mon passeport? C'est dans le guide peut-être. Tiens, il manque des photos. Ah d'accord, c'était en mode automatique en fait. Alors, impossible d'entrer dans le royaume de Vigésia. Ah. Oh, ok.
Si on prend des photos ici, cela résoudra le problème. Oh yeah. La photographie est simple. Placez-vous sur la marque au sol juste là. Eh bien c'est parti les amis. Si on est prêt, on se place sur la marque. Oui, oui, bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Alors, le moustache UVR recule un peu maintenant. Je prends la photo. Je crois qu'on peut faire des mimiques. Oh, j'oublie une chose. Il ne faut pas bouger pendant que je prends la photo pour garder la pose. N'appuie pas sur... ok. Je vais prendre celle d'en haut. Je sais plus ce que c'était. Ah, c'est pas mal ça. Oh non. Je me suis trompé. Tant pis. Cheese. C'est bon, les deux photos de passeport sont prises. Oh non, mais la première est ratée, je peux pas la refaire. Oh non. Ah, je suis déçu, je voulais faire un truc bien. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est la cata, je ferme les yeux sur la photo. Je peux pas me balader avec un cliché pareil dans mon passeport. Pas le choix, je vais devoir me refaire tirer le portrait une fois arrivé au royaume de Vigésia. Faut ce qu'il faut, d'accord. Est-ce que je peux aller là? Bah, je peux pas y aller, en fait. Oh, un champignon pour récupérer. Alors, je sais plus, c'est combien? 10 HP, un truc comme ça. Bon, mais pousse-toi, pourquoi tu me laisses pas passer? Est-ce que je peux aller où il y a le Goomba ou c'est pas possible? Il me semble pas. Ou alors peut-être en dehors du décor. Ouais, c'est juste peut-être dans le décor seulement. Possible. Oh, c'est très 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 beau quand même. Hein. Oh, c'est super. Hop, j'interagis en appuyant sur le bouton A. Et attention, espèce de maladroit. Ce sont les affaires de Bowser. Ne les abîmez pas. Le pont? Le pont est là-bas. Mais avant de vous laisser passer, je vais être sûr que vous ne ferez pas de misère à Bowser. Voulez-vous connaître les règles du combat en duo? Génial, merci. Souvenez-vous que vous allez affronter l'île de l'armée de Bowser. Vas-y, on va faire ça vite fait. On va casser le tonneau. Hop. Et on a juste un petit Goomba. Bon, ça va pas prendre trop longtemps. Et en attendant, ça va nous faire gagner un petit peu d'XP. Ah, moustacheux. Allez, vas-y. On est parti. Hop. Hop là, parfait, on arrive à 4 en total. Alors c'est pas compliqué, toi le vert tu utilises tout le temps le B. Tu vas attaquer B toujours, A c'est Mario et B c'est Luigi, ok, okay, très bien. J'espère que je vais gagner un truc, alors juste regarder, ça donne combien ça? Ah 30 HP, ah oui. Et là c'est 50, Siro c'est 15 PF, ok, et Champignop c'est quoi? Ah oui, donc ouais, c'est les trucs pour faire une résurrection. Qu'est-ce que je viens de faire? Je vais faire retour, voilà, comme ceci. Et donc là, on va commencer à appuyer sur le bouton B. Alors, bah, sur le même Goomba, comme ça, on va l'exploser. Hop là! Oh, on a un cadeau! C'est cool, ça! Un petit champignon en prime. Et là, on appuie sur le bon moment. Ah, dommage! Parce que vous pouvez aussi attaquer l'adversaire, comme je vous ai dit, ça dépend des ennemis. Parce que des fois, il y a des ennemis, ils ont eh bien des piquants au-dessus de sa tête. Et bah tu vas te faire très très mal. Donc il faut utiliser eh bien d'autres choses encore. Bon, je vais faire un total de 4. Ça n'a pas été suffisant. On va en faire une dernière. Et ça m'étonnerait qu'il va résister au prochain tour. Bah voilà, il est mort. Et en plus, on a gagné un petit cadeau. On a gagné 2 champignons. Donc là, on gagne de l'expérience, comme j'avais dit. On gagne des pièces. Est-ce que je sais plus comment ça s'appelle les pièces? Bah il me semble pas qu'ils ont des noms, à moins que c'est des pièces bah, avec un nom spécial. Mais il me semble pas. D'accord, donc là il y a quelque chose. Alors oui, je suis un petit peu long, mais je découvre. Hein. Voulez-vous casser le tonneau? Oui, bah oui, comme ça on va les exploser. Alors vous pouvez aussi. Alors il me semble, hein, je suis pas sûr, mais dans le jeu d'origine, eh bien des fois il y avait des ennemis en fait bah, derrière eux. Vous pouvez les taper par derrière et ça les inflige justement des points de dégâts. Ok, parfait. Ils sont résistants quand même. Hein. Quand on aura le level up, je pense qu'on les one-shotera, les vieux Goombas. Hein. Là, c'est parce qu'il y a un ou deux tours, tu vois. En plus, on regagne encore des champignons. Alors, je sais pas si c'est tout le temps. Et là, vous avez vu que j'ai infligé 2 points de dégâts. Et Mario, vas-y, va, tu vas attaquer. Tac. Et tac. Parfait. Et j'ai encore gagné un cadeau. Mais je crois qu'on gagne des cadeaux tous les jours. Ou ça se passe comment? Et vous voyez que le drapeau, il commence à monter. Et en fait, quand il est en haut, eh bien, ça veut dire que vous avez level up. Et après, vous avez... Ah, bah voilà, c'est bien, je peux vous expliquer quelques petits trucs. Est-ce qu'il y a toujours... Ah oui, il y a la moustache. Alors, la moustache, c'est la chance. Bah, vitesse, c'est la vitesse, défense, attaque, PF et PV. Donc, juste un truc, pour ceux qui ne savaient pas, les moustaches, c'est les points de chance pour faire des crits, en fait. Et ça, c'est vachement intéressant. Et il y avait la roulette. Ah, il y avait la roulette. Ah, c'était stylé, ça. Vous pouvez désormais augmenter la valeur de l'attribut de votre choix. Moi, je veux augmenter plus l'attaque. Alors, je sais pas, je vais dire... Maintenant. Oh, 3. Yes, ça, c'est pas mal. On pouvait aller jusqu'à 1 sur 4. C'est pas mal du tout, ça. Par contre, Luigi, c'est vrai qu'il a du mal à XP, j'ai l'impression. Mais tout le temps, en fait, on voit que le frère de Mario, il a toujours longueur de retard. Qu'est-ce qu'il a, lui?
Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est trop rapide, je n'y arrive pas. Et je dois m'entraîner à passer la frontière de Vegesia. Oh, c'est Mario et Monsieur Vert. Vous pouvez m'aider, je vous apprendrai un truc utile pour commencer un combat habilement et gratuitement. Ah, c'est un petit tuto. Bah, vas-y, je veux bien. Vous pouvez les attraper, mais d'abord, vous devez leur tomber dessus et commencer le combat. Ok, donc c'est encore un petit tutoriel. On va le faire vite fait, tu vois. On gagne de l'XP, on gagne des level up, on se fait plaisir, tu vois. Et on se débrouille pas trop mal quand on veut. Au passage, n'oubliez pas qu'en sautant sur un ennemi, vous initiez le combat que vous lui infligez des dégâts d'emblée. Alors, je regardais s'il y avait le record. On est déjà à 20 minutes. Bon, on va bientôt s'arrêter là. Si vous voulez plus de détails, le guide est là pour ça. Non, mais moi j'ai envie de continuer le jeu. Bon, même si c'est des épisodes un peu longs, bah au pire, c'est pas grave. Hein. Écoutez, je vais pas faire énormément d'ellipses. À part quand je bégayerai, tu vois, on comprend pas ce que je dis. Donc, du coup, je fais une ellipse entre temps. Ou quand il y a des longues transitions. Ou quand il y a des allers-retours à faire. Mais c'est vraiment un jeu, moi, qui me fait kiffer, tu vois. Ah, c'est bien, level up. Alors moi ce que je faisais quand j'étais gamin, j'augmentais beaucoup la moustache, comme ça il faisait énormément de crit et c'était vachement intéressant. Après j'étais en train de maxer surtout la défense en 2003 quoi. Je dirais bah cette fois-ci on va refaire la même en fait. Oh non, on en a eu que un, t'es sérieux? Ah quel dommage, un enchant seulement pour faire des crits, c'est pas fou hein. Oh merci. Qu'est-ce qu'il a? Vous pouvez attraper l'autre type. Volontiers. Oh, j'aurais pu taper dessus en fait, ouais. Ça l'aurait infligé à moins des dégâts, mais bon, c'est pas grave. Et là, on va faire un peu plus de dégâts, je pense. Ah non, on fait pas plus de dégâts. Pourtant, on a level up. On a peut-être pas assez de puissance. Ouais, ouais, c'est peut-être scripté. Pour le moment, on est obligé de faire du 2-2. Sinon, ce serait peut-être trop facile, je ne sais pas. Hop, oh, je t'ai pris, tu t'es pris 2 de dégâts. On va refaire un petit... Un petit point de dégâts et hop, ça dégage. Encore un petit cadeau. Ouais. Ouais, les cadeaux, on en a beaucoup. Alors, il me semble pas qu'il y avait les cadeaux dans le jeu. Ou alors, j'ai complètement oublié. N'hésitez pas à me le dire si vous avez le jeu d'origine et que vous en souveniez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires bien s'il y avait les cadeaux. Mais genre maintenant, enfin, maintenant, pas dans les commentaires maintenant, mais ce que je veux dire avant, quoi. Mais je savais qu'il y avait des cadeaux de temps en temps, mais c'était pas en début de l'aventure, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'il donne énormément de cadeaux. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi déjà ça? Je crois qu'on va gagner des trucs. Des pièces. Hein? Eh mince! Il est où là? Je me rappelle plus de ça. Ah ah! On l'a pris par erreur pour un baril à déplacer. Profitons-en pour lui confier le poste de surveillance. Pauvre Luigi. Oh bah non, il était juste à côté en fait. Hey, j'ai raté plein de trucs, ça veut dire. Oh mince! Maître Bowser! Nous allons très bientôt traverser la frontière séparant le royaume champignon de celui de Vegesia. Merci, vous pouvez disposer. Ah, les mimiques. Hey, qu'est-ce qui te prend de t'exciter comme ça? Oula, on se fait attaquer là. Quoi? Qu'y a-t-il? Oh là là! Si tu espères attraper Groigemona. Ah oui, c'est lui. Tu es en retard de 100 000 ans! C'est toi qui as volé la voix de la princesse Peach? Ah oui, c'est moi. Je repère tout de suite avec Vegesia. Poursuivre mon plan démoniaque. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Gargoyles, charge-toi d'eux. Ah ouais, mais on... Attendez. Maintenant? Je suis Gargoyles, le premier disciple de Gargemona. Si vous croyez pouvoir récupérer la voix de votre idiote de princesse, la voix de Peach permettra de réaliser l'ambition de maîtresse Gargemona. Je vais vous réduire en miettes. Ah ouais, c'est maintenant qu'on les affronte. Ah ouais, si c'est ça en plus. À votre tour maintenant. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là sur cet élément de suspense. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode. Si vous voulez une série dessus, n'hésitez pas à bombarder de likes. Je compte sur vous à le partager un maximum. Ça me tient énormément à cœur. Eh bien si on pourra tenter ce let's play avec vous tous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et bah, des conseils si on fait une série. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouvera pour de prochaines vidéos, prochain live. Salut tout le monde.